moitié du travail qu'on fait. Parce qu'en fait, le travail qu'on fait, je répète toujours le fait, on le fait à la place des Français, d'une certaine façon. Mais c'est que c'était une initiative de ma mère qui a ouvert, qui se bat pour que la librairie subsiste. Donc la moindre des choses, ce serait de nous supporter. Soutenir. Comme LNK a cité, Centre national du livre, BF, Bureau international du livre, Centrale de l'édition, ce sont des organismes exactement spéciaux créés pour soutenir. Parce qu'on a parlé des subventions pour le transport. On profite de tout ce qu'on... On essaie de profiter de toutes les possibilités, de tout ce qui est accessible, puis-je dire, comme ça. Mais ce qu'elle a voulu dire d'une certaine façon, c'est tout carrément que la France ne fait rien pour promouvoir la littérature française, en français, dans un pays... Non francophone. Même pas la littérature, l'écrit français, dirais-je. Non, ce que j'ai dit, pas tellement non francophone, de la francophonie. Mm-hmm. De la francophonie. C'est pareil, vous savez, il y avait le cas de la librairie française qui était à New York, qui était fermée il y a 2 ans. Les Français trouvent toujours explication. Ou bien parce qu'il est passé à la retraite, ou bien parce que la crise. Mais j'adore quand les Français, parce que comme je vous ai dit, je vais à toutes les réunions durant le salon, j'adore la façon dont on me présente la réalité. Je ne regarde pas la télévision polonaise, mais j'adore le savoir parler français. Ils n'acceptent aucune critique. Ils voient. Vous rigolez parce que c'est un peu comme ça. Oui, c'est comme ça. Et comme vous me voyez, je profite toujours d'occasion et je demande, parce que Pologne est présentée comme... Nous n'entrons pas sur le pourcentage de l'exportation française vers autres pays. Alors la Pologne... c'est tellement petit que ça n'entre même pas dans le pourcentage cité par centrale de l'édition.